Une mystérieuse créature ressemblant au monstre du Loch Ness se repérait en Chine. Une séquence montrant une mystérieuse créature flottant dans le fleuve Yangtze a été mise en ligne. La vidéo a provoqué de nombreuses spéculations quant à la nature de cet être. Des spécialistes pensent qu'il s'agit plutôt d'une salamandre géante ou tout simplement de bâches en plastique. Rapporte d'Indépendante. Un être mystérieux a été aperçu dans les eaux du fleuve Yangtze en Chine. Cette créature a été filmée 3 fois en l'espace d'une semaine. Nombreux sont ceux qui ont spéculé quant à la nature de cette chose, indique Indépendante. Certains ont supposé qu'il s'agissait du monstre écossais du Loch Ness, d'autres d'un serpent géant. Cependant, le professeur Wang Chunfang de l'université agricole de Huazhong a déclaré à Pire Vidéo, une plateforme de courts clips vidéo d'information pour le public chinois, qu'il s'agirait probablement d'un serpent d'eau. Le Yangtze, le 3e plus long fleuve du monde, abrite également la salamandre géante chinoise qui peut atteindre près de 2 mètres de long. Cette espèce, considérée comme le plus grand amphibien au monde, est menacée d'extinction en raison de la pollution de la pêche et de l'agriculture. Le monstre du Loch Ness pourrait-il être réel? Une étude fournit des réponses. Il existe également une autre hypothèse forte qui gagne du terrain. Le monstre supposé pourrait être un morceau de bâche en plastique flottant dans le courant. Quelle que soit la nature de cette créature, la vidéo a déjà gagné des millions de vues et les théories sur son identité continuent à se multiplier sur les réseaux sociaux chinois. Mais pour l'instant, aucune preuve concrète n'infirme qu'il s'agisse d'un Nessie 2. Auparavant, des scientifiques néo-zélandais ont présenté les résultats d'une étude de décryptage d'ADN selon lesquels le mythique monstre du Loch Ness ne pourrait être qu'une anguille géante. Ils ont ainsi mis fin à la légende qui alimentait le tourisme dans la région depuis la publication d'un cliché le 21 avril 1934.